Salut à tous et à toutes les amis, c'est Freddy. J'espère que vous allez bien avec Chaud Patate. On se retrouve aujourd'hui pour Jurassic World, partie 4. Donc, dans le dernier épisode, on a encore échappé à la Dominus Rex avec Owen et Claire. Et toujours à la recherche de ses neveux. Enfin, des neveux de Claire, du moins. Non, c'est dans l'autre sens. La porte est fermée. Tu vois pas une clé quelque part ? Non, je vois une brique rouge en haut, déjà, c'est déjà pas mal. Là, je peux pas. Voilà, attends. Ah, voilà. Sur les là-dedans. Qu'est-ce que j'avais dit ? Hop là. Voilà. Je vais rentrer ça... voir papa et maman. Ouais, je comprends. Mais d'abord, on doit remercier Tati Claire pour ses super vacances. Je crois que je vois la porte pour retourner au lagon. Ouais, alors ? Oh là. Zip là, j'entends quelqu'un qui arrive. Tu crois qu'ils peuvent aider avec la porte ? Bah, c'est des enfants. Ah. Ils sont forcément doués avec la technologie. Non ? Dites, l'un de vous saurait comment on répare les mécanismes d'une porte ? Je peux aider. Génial. Donald ici présent a mis une pagaille pas possible. Voilà. On est une équipe soudée, dit Santiago. Thiago ? Thiago Motta, Thiago Silva ? Faut le dire, les gars. Allez. Pas difficile de la réparer, cette porte, merde. Pas mal, gamin. Tu pourrais faire le boulot de Donald. Ouais, c'est vrai. Donald Duck. Tu viens de dire que j'étais stupide, là. Non. C'était sympa de leur T'es part. Juste lent d'esprit. Et... Nuance. Serait-ce une info, juste en dessous de moi ? Oui. Le crâne du Triceratops fait un tiers de la longueur du corps, dont un peu plus de 2 mètres. Ok, c'est bien. C'est lui. La tête du Parasaurolophe, machin chose, est surmontée d'une crête formant une longue tige incurvée vers l'arrière du crâne. D'accord. Les cornes de l'Indominus ont été placées au-dessus des anneaux... machin chose, on y a... Ah ouais, putain, 4 dinosaures gros, t'es en ouf toi. Regardez ça, elle se dirige droit vers le parc. Eh oh, y'a quelqu'un là-dedans ? Ouais. Ingen, Hoskins. Vous savez pourquoi je suis là. J'ai passé 2 ans à chercher une application pratique à ces raptors. Je vais tâcher d'être le plus clair possible. Lâcher les vélociraptors sur cette île, c'est hors de question. Ok boss, et la suite du programme ? On a besoin de personne d'autre. D'accord. On a un visuel sur la cible au sud de la volière. Permission d'attaquer. Ouvrez l'œil, messieurs. À 10h, près de la volière. Faut remonter. Remonte. Et voilà. Ils ont mouru. Les pteranodons. Ah, oh, l'autre directement à la flotte. Quel cauchemar! Qu'est-ce qui se passe? Que... Va falloir courir. À vos marques? Ouais, mais je suis pas prêt, alors je pars pas. Au centre de la découverte. On y sera alors. Comment on fait? Non! Barrez-vous! Tous! Allez-vous-en! Il y a une avocat qui donne un
Viens, il faut. Ouais, d'abord. Allez, hop, voilà. Les bruits forts. Ils ont peur des bruits vraiment forts. Genre la musique. Ben, t'es intelligent, toi. D'accord, je croyais qu'il y en avait un, mais bon. Allez, casse tout, fais-toi plaisir, mon petit. Passons. Le propriétaire du parc, je te le dis direct, il a clamsé. Voilà. Casse ça, voilà. Toi, on a besoin de toi. Merde. S'en fout, de toute façon, ils auraient tout pété. Allez. Je croyais qu'il y avait un truc à construire maintenant. Eh ben t'inquiète pas que ça va être possible, mon petit, je te le dis. Venez, passez par là. Pourvu que Zach et Grey soient au centre de la ville. Ouais, c'est bien, tirez dessus là. M'ont fait chier dans l'épisode 2. Épisode 3, pardon. Ah, je croyais que putain c'était. Vas-y, putain, je croyais que c'était la marque Nesty, tu sais. Je n'est pas sûr que ces dinos acceptent de nous laisser passer comme ça. T'inquiète. Un projecteur d'hologramme sur les toits. Oh, je l'ai pas vu. Mais oui. Ah, t'as mis des clairs, ton enculé. Ta-ta-ta-ta. Hop là. Allez, vas-y, Claire. Et là, enfermé. Voilà. Ok. Merci. Ah, t'es gentil, gros, on est du même côté. Y, A, Y. Petite référence
Comment ça s'appelle? Désolé, c'est ton domaine, Greg. Attendez. Je vais juste récupérer ça. Avec Gray Mitchell. Tu me traites plus jamais de petit. Allez. Ah non, c'est pas pour toi. Lâche. Voilà. Celui-là, il sera fait. Ok. Pas compliqué de traverser, mais soyez prudents. Allez, prends une photo. Bah, ils ont encore tout cassé. Tac, tac, tac. Il n'y a plus rien. Voilà. De toute façon, ça n'existe plus, Kevin, téléphonique. Voilà, t'as eu dans ta face que je t'ai mis. Panique dans le parc. Pas vu. Ah, lui non plus, je l'avais pas vu. T'es pas d'accord avec quoi? Alors, on va juste monter là-haut. Je sais pas pourquoi. Je sens que là, j'ai récupéré un pteranodon ou quelque chose comme ça. Appeler ça pressentiment ou j'en sais rien. Ouais, c'est surtout pour le mode d'histoire. Ils sont pas sérieux. Allez, casse-moi ça. On va lui a dézingué la gueule. Putain, il va me faire chier longtemps, lui.
Ouais, rembourser, tes glaces, elles sont pas bonnes. Eh, donne-moi la pièce, là. Hop là. La salle d'arcade. Elle a l'air verrouillée. Ouais, mais la clé est là. Donc ça va. Hey, la clé. Maintenant que tu t'en rends compte, ça fait 3 ans qu'elle est là, la clé. On s'est cassé ça, hop. Voilà. Eh, un peu. Eh. Non. T'es nul dans l'ouverture des portes, ma cocotte. Allez. Je te le dis franchement, je fais pas ça pour jouer. Ah oui. J'aime le disjoncteur. Oui, je sais. Voilà. Bon. Comment on a tout déglingué? Je m'attendais pas à ce coup de théâtre. Bah écoute, apparemment, elle non plus. Impossible de passer les flammes. Non, je pense pas. Alors, là. Ta-da-da-ta. Oh, je l'avais pas vu lui. Oh, fous-moi la paix, toi. Wonder the dog. J'ai 3 pièces là à récupérer. Hop. Oula, 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 oula. Voilà. Voilà. Et voilà. Tati Claire. Mais c'est elle. C'est elle, non? Lowery, je me dirige vers vous. Mauvaise idée. C'est Hoskins le responsable. Il cherche à exploiter les Raptors, ce malade. On déploie une nouvelle équipe sur place. On ne les a jamais laissés en liberté. C'est de la folie. Ici, ce n'est plus ton territoire, désormais. N'oublie pas, tu travailles pour moi. Ah ouais? Si on y va,
C'est à ma façon. Du calme. Du calme, Blue. Et c'est parti, mon kiki! Ils en ont pas marre des saucisses là-dedans, sérieux. Même moi, ça me donne même pas envie de saucisses. Ils ont trouvé quelque chose. Je sais pourquoi il refuse de révéler sa composition. Pourquoi ? Elle a de l'ADN de Raptor. Ouais, ouais. Surveillez vos arrières. Les Raptors ont un nouvel alpha. Malheureusement, ouais. Ouais, y'a moi. Vous pourriez me faire descendre ? Ok, j'arrive. Bon, alors, par... T'es où ? Allez, il me faut le 100% pièce. Oh putain. Hop, 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 hop. Il donne plus rien. Lui non plus. Tu peux toujours essayer de me mordre. C'est pas un lézard, c'est un raptor. Enfin... Allez. Allez, allez, fouille. Mais de rien. C'est juste pour te ficher la trouille. Pourvu que ça marche. Je crois que ça marche. Moi je dis si dans le film ça a marché. Et de deux. J'aurais pu tenir encore. À plus. Ça ouais. Quand on dit toujours à plus, pourquoi pas à n... pourquoi pas à moins. C'est vrai quoi, c'est, enfin je sais pas, c'est inexplicable. Mercenaire.
Ouais, donc lui, il faut carrément que je lui attrape la main et que je le sauve. Charlie, non! Tu descends! Bouge de là! Est-ce que tu vas bien? Ouais. Je sais pas, je veux les pièces là. Un petit coup de main? Tac, tac, tac. Allez. Attache ta ceinture. Et le 3. Je vais dénicher d'autres survivants. Comment tu fais trop genre t'es un bon toi? Non, je croyais. Allez. J'espère que le truc qui a fait ça a mangé quelque chose d'utile. Le truc qui a mangé ça. Bon, j'aurais plutôt dit la bestiole qui a bouffé ça, mais enfin bon. Ah, je sais bien qu'il y a quelque chose. Bon, il arrive sous 1% là. On est au bout en plus. Ah voilà. Yop yop yop. Bah. Allez. Bon, ok. Voilà. Parce que sinon, on y est encore. C'est Delta. Est-ce que tu peux te profiler là-bas? C'est un mini kit, non? Qu'on a là? Bah, c'est ça. Voilà. Désolé pour tout ça, Delta. Pas de choix. Allez. Tu peux abaisser la caisse? Regarde ça. Hop, si j'ai pour l'abaisser. Non seulement je peux l'abaisser. Et on va pouvoir faire du trampoline. Où il est, Indominus? Je t'interdis. J'ai 65 millions d'années d'évolution de plus que toi. L'autre il est en mode haut la main. Oh les mains, pardon. Oh la main. Te voilà. Allez, vas-y plus fort que ça. Je suis un dur à cuire. Ah. On peut pas l'aider avec Blue dans le passage. Pareil, il faut l'aider à démarrer. Tire dessus au fusil électrique. Ah.
Voilà, il est en moins. Désolé, Blue. T'aurais une idée pour forcer ce monstre à recracher son dîner? Peut-être. Ouais, t'inquiète. D'abord, fouille l'endroit. Après, il me semble qu'il y a une petite course en moto là. Enfin, course au courant même, on va dire. Qu'est-ce que tu construis là? Ok, ouais, ça pourrait être utile. Aide-moi à monter. Prends ça dans les naseaux. Allez. Du poivre. Je veux rentrer à la maison. Ok, mon poussin. Elle raptor en moto, tu sais. Demain, tu seras à la maison et. Et ta mère ne me laissera plus jamais voir. Allez, allez! Il s'approche de nous! Assemblez, Zach! Assemblez! Moi aussi, t'as un fusil, Gray! On en a eu un! Ça veut dire qu'il en reste un autre! Oh shit. Marie, c'est Delta. Je sais. Je suis pas aveugle. Oh là 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 là. Charlie, non. Maintiens ton allure. Ah putain, je l'ai loupé. Pas facile à viser, hein. Ouais. Voilà. Vous avez vu ça? Quand je raconterai ça à maman? Non! Ça, vous n'en parlerez jamais à votre mère, jamais! On doit se mettre à l'abri! Et ouais. Suivez-moi! Il faut récupérer toutes les recherches. Allumez-moi les générateurs de secours maintenant. Où étiez-vous passé? Changement de plan. La mission a pris une tournure inattendue. Tout ce qui est ici doit quitter le site.
Ouais, Henry Wu s'énerve. Alors. Donc on va arriver à 1,8 million. Voilà. Ensuite, donc, véritable survivant, donc 100%. Mini-kit. Oh, je me tiens. Magnifique. Phil, le scientifique. Sarah. Vic Hoskins a déverrouillé. Mercenaire Indien a déverrouillé. Jenny, dresseur de raptor, a déverrouillé. Tout terrain a déverrouillé. Transporteur Ingen a déverrouillé. Veto ambulant a déverrouillé. Et j'ai le dimorpho dont... Voilà, tu vois, j'ai... Enfin, j'avais dit le pteranodon, j'étais pas loin. Voilà. Donc voilà les amis, la vidéo a été longue, je sais. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve demain pour la suite et le dernier épisode donc du mode histoire. Restez chaud patate, je vous dis à demain et bye bye.